الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. Salam alaikum wa rahmatullah, les frères et les sœurs, tous ceux qui participent. On est le représentant de l'association Sainte-Anne ici à Dakar. On a fait pas mal d'actions ces deux premières semaines de Ramadan. On a distribué des denrées alimentaires de première nécessité dans les villages, chez les gens les plus démunis et aussi orphelinats. On a pu leur fournir toute la denrée nécessité jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Et Inch'Allah, on va continuer à les suivre. On a un projet pour ces 10 derniers jours. Faire une cagnotte de 30 000 euros. Le terrain que vous voyez, on est parti le visiter aujourd'hui, lundi 11 mai. Alhamdoulilah, c'est des parcelles de 600 mètres carrés. Avec les frais de notaire et tout ce qui s'ensuit, monter le projet assez rapidement pour pouvoir leur donner accès à l'eau, au logement et Inch'Allah aussi à l'éducation. Car la plupart des orphelinats ici à Dakar, ils payent des loyers entre 300 et 400 euros. L'orphelinat que vous avez vu, qu'on est parti visiter, qu'on a aidé, Fatima Bintou Zahra, ils payent un loyer de 200 000 francs CFA qui équivaut à 300 euros. Et ils ont un F5, donc ils sont limités dans les déplacements avec 25 enfants, plus une dizaine qu'ils ont envoyé dans une école coranique parce qu'il n'y avait pas assez de place. Inch'Allah, on compte leur proposer en premier notre projet et les mettre dans des meilleures conditions. Inch'Allah, ce sera Sadaqa Jariya. C'est le but de tous. Être dans la tombe, et Inch'Allah, que les actions continuent à tourner dans le bien. Sadaqa Jariya, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Qu'Allah nous récompense, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah fructifie nos aumônes. Et comme le professeur il a dit, une moitié de date écarte des feux de l'enfer. Une aumône refroidit la chaleur de la tombe. Et il y a beaucoup de hadiths. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah.